Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on sera sur le serveur de Monsieur Rat Super à Mafor Life. On sera en police. Le type de la patrouille, ça sera CRS. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. De temps en temps, je fais quelques lives dessus. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. On va le Alors, oui. récupérer. Ça doit être lui, hein. Pas de CRS. Ça va être quoi l'autre qui était là? Ah, je sais pas, j'ai pas Parfait. Non, d'après moi, on pourrait redécoller ici de suivre le bateau. Il avait une casquette à l'envers, hein, Tu votre collègue? Je sais plus. Je sais qu'il l'avait enlevé entre temps, mais je sais pas. C'est de la garder avec lui. Bon, Du bah, coup, plus qu'à monsieur l'agent, atteindre vous savez les quoi? dépanneurs. Ouais. Bon, je peux pas vous y aller. Entre les deux bateaux normalement. Ok, c'est visible. Bonsoir Full Gaming. Ouais, non, je pense bien que c'est le gars qu'on recherche, hein. Dès qu'il me voit, il repart. On est reçu. Le CRS, est-ce qu'il y aura une patrouille disponible à part pas? Affirmatif, Ferry Alpha. Sur aide de Oscar, vous êtes à terre ou? Négatif, en contrôle partiel actuel. Merci, bien reçu. Ce serait bien d'avoir une unité, deux équipages pour pouvoir intercepter un bateau. CRS de raid. Transmettez. Faut intercepter un bateau. Affirmatif, pas fait juste au-dessus. Monsieur, à chaque fois qu'il voit arriver la police, il part avec son bateau de la côte. Quelle position? Actuellement, CSP, il tourne autour. Ouais, suivi. On termine le contrôle. On vient de terminer le contrôle. On va arriver sur le bus. C'est bien reçu, CRS. Ah, le con, grave de CRS. Il est idiot, il vient de sauter de son bateau alors qu'il était en train de conduire. Donc, Dora, donc on départ, on est au niveau de Costa, on arrive dans moins de 2 minutes pour sortir un bateau. Au sud, CRS. Là, il va devoir nager. Là, il y a des panneurs qui là.
l'avais pas. Ah si, je l'ai, je le ramène pas. Ah, c'est bien en surette de CRS. Transmuté. Ça, à la rigueur, c'est pour me récupérer son bateau qui est en train de naviguer tout seul devant vous. Ah, super. Nous le ramener à part si vous souhaitez que vous porte. Moi si oui, je vais le poser au niveau de la grue. Monsieur. CRS de Red. Transmettez. Pour info, on a pris le bateau, on arrive. Reçu, merci. La RED s'occupe plutôt des braquages, il reste plutôt des manifs, plus des barrages routiers. Full gaming. Bonjour, merci en commandant. Bonjour repos. On vous a ramené la bête. Oh le sentier, c'était nice. Ah, je crois que c'est pour vous. Sur le tir, il y a de l'antiquité. Ouais. Mais en plus on pourra lui compter un mirage en dehors des zones. Il est plein le camion ou pas devant? Ouais, plein, il en a 124 d'antiquité je crois. Bon, bah, je vais les supprimer sur place alors. Major sur courte. Alors j'ai juste j'ai pas de. C'est là sur votre courte s'il vous plaît. Major. Propriétaire du bateau Fabrice Garçon, donc deuxième détention au cas où. Le bateau en fait, je lui ai demandé si en fait je lui ai loué contre une certaine somme d'argent, contre 50 000 $. Vous avez fait quoi avec le bateau? Je devais faire du pétrole mais au final j'en ai pas fait. Mais il m'a dit que ça allait être compliqué, ouais. Et du coup j'allais pour en faire, il m'a dit ne venez surtout pas au port, j'ai dit pourquoi, il m'a dit venez pas, j'ai pas compris, et je me suis mis là, j'ai mis des jumelles. Et j'ai vu qu'il se faisait embarquer, du coup j'ai compris qu'il avait fait une faute. Voilà, moi en tout cas. Pourquoi vous êtes pas venu?
Parce que c'est pas mes histoires, vous voyez, la police, la dernière fois, elle m'a dit de pas se mêler des histoires des autres. Vous voyez, je reste à mon chemin. Là, j'ai compris que le monsieur était en train de venir pour moi. Je suis descendu du bateau. Et je suis allé voir. Plutôt, c'est lui qui est venu vers moi, mais voilà. Je... Il a dit que vous n'avez pas eu votre moteur, mais si vous changez de version. Ben non, il marchait plus. J'aurais plus d'essence. Quoi. Voilà, ah, si, il fonctionnait très bien parce que Red l'a ramené tranquillement ici. Ouais. Hein. Alors, il n'y avait plus d'essence. Hein. Je vous dis, ils ont dû mettre de l'eau dedans, mais il n'y avait plus d'essence. Ouais. Avec de l'eau, ça risque pas trop de marcher. Ah, mais c'est ce que je me dis, je sais pas comment ils ont fait, mais. Je suis monté dedans avant, il restait encore les trois quarts du plein pratiquement, donc faut arrêter de se foutre de notre gueule. Alors, monsieur, moi je respecte totalement votre travail, et voilà, c'est quelque chose que j'adore, mais vraiment, j'aime pas que vous me parliez comme ça, vous voyez, je suis coopératif, je parle tout doucement avec vous. Je suis non, non, vous foutez de notre gueule déjà depuis le début, ça j'aime pas. Je fais quoi, monsieur? Vous foutez de notre gueule depuis le début, et ça j'aime pas. Alors. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que j'invente des choses que je n'ai pas fait? Vous dites la vérité. Pour l'instant, vous dites pas la vérité, je suis désolé. Soit je dis, soit je ne dis pas. Et je ne dirai pas quelque chose que je n'ai pas fait. J'avouerai mes torts, mais je ne dirai pas. Oui, hier, j'ai crié un peu rouge, oui. Oui, hier, j'ai roulé à 130 en vue, mais je n'ai pas... Vous voulez arrêter, major, de toute façon. Accostage en dehors des zones. Je vais mettre contre le véhicule, s'il vous plaît. Ah, bah franchement, ça a fait genre la police. Donc de Red, on a fait un tour sur l'X-Side, rien à signaler au niveau des tirs entendus. Vous allez retirer les silences, vous allez revoir manger ainsi qu'un médecin si nécessaire. Il n'y a actuellement pas d'avocat en service, donc vous n'en aurez pas le droit. Mais y a pas de soucis, messieurs. Ok, je vous laisse vous mettre vers l'arrière. Porte arrière. Hop là. Pote sur la tête. Ah, bah j'ai... Ok. Alors c'est fait. Moi c'est bon. Parfait, merci. Je sais pas si c'est Oscar et... Oscar de CRS. Informez toutes les patrouilles qu'on part au fond. Donc, pour information, CRS indisponible pour contrôle total, hein, commissariat Bétonia. Si, pour Oscar. Ensuite. Monsieur, mais je veux qu'il y a un monsieur qui est avec vous, était d'abord. Où ça? Qui est descendu de... Ouais, bah il y avait un monsieur qui a travaillé en civil, il est descendu de ce véhicule que j'ai regardé avec les jumeaux. Je sais pas. Il était de là-bas. Vous savez pas qui était dans la ville. Ah, moi, de toute façon, je suis honnête. Hein. Vous avez un délégué de son groupe. Du coup, pour l'instant, je redécolle du port et je me rends ma patrouille. Ça aussi. L'utilitaire et le camion ils sont pleins. Battre contre un seul de notre trafic pour l'autre. Hop. Monsieur, on bouge là, c'est. Franchement là. Vous voyez dans quel cas vous me mettez, j'ai une famille à nourrir là. Ok. Encore en bon sera tout. Pourquoi tu m'as pas lancé? J'ai rien fait. Ils sont encore en bas en train de parler, genre. Bon monsieur, faut qu'on vous dise la vérité.
Il y a un danseur qui s'est vu. Un au fond. Au fond. Je vais m'occuper du dernier, je m'occupe du premier. Le meilleur service de la patrouille Oscar des effectifs à bord d'une salle. Allez, vous retournez s'il vous plaît, monsieur. Subi de Rig Alpha. Je sais pas, ça dépend. Vous présentez une pièce d'identité ainsi que vos permis, s'il vous plaît. Pour moi, je vais encore me loter. Je pense que c'est. Retournez, monsieur. Là, moi, je vois des menottés, monsieur. Ah, non, c'est bon. Ça m'a mis un petit temps. Fabrice Garçon. Vous permis, s'il vous plaît, monsieur Garçon. Yes. Vous déposez au sol tenue, vêtements, sac. Bonne nuit, full gaming. Votre chapeau aussi, vous posez au sol. Ouais. Donc en gros, vous voulez pas avoir d'antécédent. Ouais. Je vous laisse regarder quand le mur en face derrière. Chargeur, moi j'ai vu que vous aviez un permis de port d'armes, c'est bon. Okay. Ah, écoutez, bougez pas, je vais faire une petite palpation. Les menottes, vous laissez déposer vos affaires au sol. Oh. Ok. On va reprendre vos affaires et tout ce qui est armes et munitions dans votre sac, s'il vous plaît. Non, votre radio, vous gardez. Ah, j'ai tout mis dans mon sac. Ok, je vais juste si vous n'êtes pas recherché. Ok. Bon, pour vous, monsieur, il y a trafic archéologique. Code PN. Administrative, donc trafic d'archéologique. Donc vous avez vos véhicules sont saisis. D'accord. La marchandise automatiquement sera saisie et détruite. Le montant de l'amende s'élèvera à 100 000 et vous aurez 10 ans de prison. D'accord. Et du coup, je vais récupérer après la tempête. De toute façon, les véhicules. Les véhicules après la tempête seulement. Je vous présente l'amende 3 fois, si vous voulez la 3ème fois vous refusez, vous serez mis, bah, de toute façon vous êtes déjà de la détention. Et si vous avez refusé alors que vous avez l'argent, une demande d'exil sera effectuée auprès du gouvernement. Est-ce que c'est reçu? Bonsoir. Ah, tu m'entends ou pas l'autre? On peut pas parler à travers les murs, monsieur. Je balance Tony. Je vais signer. Merci. Vous attendez là, je vais devoir faire appel aux agents de sécurité. Unité, pour le temps. L'étoile de police. Pas de dispo. Pas de dispo. Négatif, ok, bah. L'autre, le problème, c'est que suspicion, on n'a rien du tout. Ouais, y'a rien. Le bateau. Il y a juste l'amérissage en dehors des zones. Il a le permis bateau ou pas? J'ai pas vérifié. S'il a pas le permis bateau, vous lui rajoutez encore ça en plus. Je vous laisse vous retourner, monsieur, s'il vous plaît. Tout ça. Donc les agents P906 viennent d'arriver, monsieur. C'est eux qui vont s'occuper du transfert vers la prison. Comme je vous ai dit, vous en avez pour 10 ans de prison, monsieur. Et ils en ont fait quoi de mon bateau? Votre bateau sera c'est jusqu'à la prochaine tempête, monsieur. Okay. Je vous souhaite un bon séjour en prison. Bon courage. Si.
Charlie, tu aurais actuellement en entraînement à l'école de police. C'est reçu. Commencer par la bourbe, après ça c'est de faire un peu de pétrole, j'ai pas dit non, vous voyez ce que je veux dire. Commandant. Oui. Du coup pour là le truc c'est plus abandon de véhicule que amérissage, non? Non, c'est amérissage, accostage en dehors des zones. Ok, bah du coup je mets ça. Donc c'est donc défaut de permis 50 000. Du coup, et du coup, là, j'aurais un casier judiciaire avec ça. Bah, vous avez une amende. Donc, ça sera pas dans le casier. Il y a un attentat. Ne vous inquiétez pas. Du coup, vous avez 100 000 ou pas sur votre compte? Difficilement, mais j'ai. Avec combien? J'ai une heure, mais bon, parce que j'ai un million. Ouais, ok, bah, ça fait 3. Du coup, donc, pour cette amende, je vous laisserai signer en bas. Ouais. Juste ici. J'ai. Oscar, raid de CRS. Quoi? Vous pouvez faire un balisage GPS de votre zone pour des tirs en cours, s'il vous plaît. Si vous avez le temps de vous reposer, vous pouvez prendre un billet d'avion. Ok. On va payer. On va payer. Ok, bah parfait. Du coup, la prochaine fois que vous conduisez un bateau, il faudra le permis. Ouais, mais du coup, je n'ai pas mes informations parce que vous prenez votre parenthèse. Vous savez que je travaille. Ah, si vous les donnez, il n'y a pas de soucis. Allez-y, vous pouvez donner. En gros, il y a un monsieur qui s'appelle le groupe Tony. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va non des fois. Et excusez-moi, je vais tousser. Il propose de travailler à des gens. Il les ramène à la LVP. Il a un petit. Vous avez fait un petit peu de. Et à la fin, il a un petit. Vous avez fait du copillage, la manie, la là. Et en gros. Mais lui, c'est vraiment. Il est bien pour l'expérience. Il a une plein de façons de travailler pour lui. Et. En même temps, donc vous voyez le tweet qui se fait quoi. Là j'entendais le tech 2, mais il s'appelait le tech 2 et j'ai une description physique, elle est bien atypique pour la remarque. Il est noir, il a en fait il est à peu près comme moi, sans la barbe. En fait il a une barbe, vous voyez que bon, bah, le barbier qui des implants, vous voyez, un peu plus grosse, un peu grosse comme barbe, ouais. Il est noir et il parle, je vous jure, il parle un peu avec un accent italien, il fait qui comme ça. Le CRS, c'est italien. Vous savez quelle voiture il utilise? Ouais, une Rolls-Royce noire. Pas, je sais pas, noir, ouais, noir, ouais, noir. Noir clair, noir, semi-gris, noir. Gris foncé, ouais, gris foncé, noir. Gris foncé, presque noir. Et il a plein d'armes. Il a une Mitsubishi bleu et dans sa Mitsubishi bleu il a 3 MX je crois. Et il a des gardes du corps tout le temps qui le suivent. Okay. Bonsoir, ça va toi. Attendez, le monsieur là qui est avec moi, lui il a pris. Bah lui il est parti en prison parce que pour trafic. Oh le pauvre. Ouais. Oh, okay. Et tir c'est en tout cas j'espère de manquer de tenue.
Et des triangles dans le machin. Recrutement complet, je peux en voir. Sapeur Pix, la sapeur Papounis. Attendez, s'il vous plaît, V16-02 de Codis. Non, négatif, V16-03 de Codis. Le sprinter se fait, j'ai besoin d'aide pour le camion, il y en a pas mal dedans. Et quoi? J'ai besoin d'aide pour le camion, il y en a pas mal dedans. Faire un atterrissage péritonien plutôt s'il vous plaît. J'ai vu. C'est aussi pour Oscar. Pratiquement à la fin là, je crois. Ah oui, c'est bon. Hop là. Exactement. Oscar, comment on a récupéré? Transmettez. C'est très de votre patrouille. On est actuellement au niveau de la nouvelle île. Vous êtes dispo? Affirmatif. Vous me faites un retour commissaire péritonien s'il vous plaît. Oui, si je suis en arrière. Sur les oreilles. Du coup, le monsieur m'a donné des informations, donc apparemment. Donc quelqu'un qui emploie des gens. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein.
Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch, le lien figure donc dans la description, au-dessus il y a quelques vidéos, et bien sûr de temps en temps je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.